told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we tried to hold. Salut à tous, voilà, on est bien arrivé au salon du véhicule de loisirs et là je suis avec Christian. Et en fait, c'est un bandit. Il est venu me dire bonjour et tout. Voilà. Je suis repéré, tout ça. Il est avec sa femme, elle se cache. Non. J'arrive. Ah, d'accord. Je ne cache pas, c'est que je ne suis pas invité. Christian et Corinne. Voilà, et Corinne. Et puis en fait, voilà, il nous expliquait, et du coup, il fallait que je filme. Voilà. Il a eu un accident, c'est ça? Ouais, de moto. Et puis, le pied en vrac et tout. Donc du coup, comme il était hyperactif et qu'il ne pouvait pas trop faire grand-chose, il a fabriqué ça. Ouais. Pourquoi pas? En à peu près 10 mois. C'est ça, ouais, 10 mois. Donc, c'est ouais, sur la base d'un Renault. Un Renault 110-150, c'est un camion CCF de pompier. C'est le même moteur qu'on avait sur le Liège, ouais, un ouais, tout petit peu moins puissant, parce que tu n'as pas d'intercooler. Peut-être. Non, il n'y a pas d'intercooler, voilà, celui-là. Moi, nous, on était à 170 chevaux, ouais, t'avais parce qu'on avait un intercooler, c'est pour ça. Ben, en tout, c'est un travail de 10 mois. 10 mois, entièrement sur mesure. Bon, je me suis fait aider, je n'ai pas été tout seul, hein, parce que c'est vraiment un gros chantier. Ouais. On était deux, mais après, pour monter la caisse, on a été 5, pour monter les panneaux et tout, c'est du gros boulot quand même. Ouais. En fait, la conception, tout ça. C'est des, en fait, c'est des barres de 6 mètres qu'il a fallu découper, couper à l'onglet. Enfin, ouais. Les panneaux viennent de chez Polyform, l'usine là-haut. Ouais, d'accord. C'est de l'extrudé, c'est de la résine, extrudé résine, donc pour l'isolation. Avec un stérodur au milieu. Voilà, c'est pas une chambre froide en fait. Combien d'épaisseur de stérodur? Il fait 30, je crois. Il fait 30, oui, parce qu'en fait, j'ai pris cette épaisseur parce que c'était juste pour l'encadrement des fenêtres et des portes. Oui, oui, et ça tombe pile poil dedans et ça m'évitait de faire des décrochés à l'intérieur. Parce que, voilà, après, et... passage à l'Adréal aussi. Voilà, passage à l'Adréal, ouais. Donc, c'est passage bon, à l'Adréal. Ouais, c'est ça. Combien de places assises? 4. 4 places assises. Voilà, c'est un 4 places. Il y a quelque chose de super intéressant là-dessus, c'est un moteur à chachot. Voilà, c'est un kit hydrogène à chachot. Ça consiste en quoi? Eh ben, c'est une dry cell, c'est un générateur d'hydrogène en fait, on casse l'eau électriquement. D'accord. Et on produit de l'hydrogène d'oxygène et qu'on injecte dans le moteur. Et du coup, on fait des économies de carburant qui est aussi entre 35 et 45%, voire 50%. Ça dépend des moteurs, ça dépend comment il est réglé. De monter ça sur le bus, alors. Complètement. Ah ouais. Ouais, ça c'est sûr. Hein, ça, et c'est on sûr. Pollue moins, du coup. Ah ben oui, parce qu'en fait, ces moteurs, les vieux moteurs comme ça, à pompe traditionnelle, ils brûlent que 28% de l'énergie. Donc le reste est rejeté à l'atmosphère, en carbone, en tout ce qu'on veut. Et grâce à l'hydrogène, on augmente la combustion, donc tout ce qui est imbrûlé se met à brûler. Et du coup, on gagne de la puissance, on gagne du couple, on gagne des chevaux, consommation qui diminue et la pollution, puisque la combustion est complète ou presque complète, on pollue moins, quoi. Donc on a tout à gagner. Chouette. Voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est des moteurs qui avalent un peu de tout, hein, le kérosène, l'huile de la frite. L'huile de frite, ouais. Les fêtes votives, on les frite un peu. Voilà. On met l'huile et ça marche bien. Donc, ça sent la frite, c'est pas désagréable. Non. C'est désagréable. Donc, mieux ça que l'odeur du gâteau. Complètement. Voilà, donc il marche un peu à tous les coins. C'est ça, c'est bio. Ouais, c'est ça, on est bio. On peut faire d'un vieux camion polluant quelque chose de beaucoup moins polluant. Voilà. Donc, c'est vrai que sur les nouveaux moteurs qui sont injection directe et les common drive et les jetteurs pompe, tout ça. Les moteurs quand même ont déjà un meilleur rendement. Oui, donc les kits à chachot, il y a toujours du gain, mais c'est moindre quand même que ces types de camions. Bon, allez, le porte-moto. En fait, à l'intérieur, dans le châssis à l'arrière, il y a deux treuils. Il y a un treuil de 8 tonnes. D'accord. Dans le châssis, il y a un treuil d'une tonne et demie. Ouais. En fait, le petit treuil d'une tonne et demie, il me sert donc à faire descendre la barre anti-encastrement et la montée et me descendre à la roue de secours. Et le treuil de 8 tonnes qui est à l'intérieur, il sert à me faire à descendre la moto. Voilà. Voilà. Donc après, il y a une glissière, là, je tire la glissière ici, là, et la moto, je la sors, je la rentre. Et c'est un monte-charge qui peut prendre facilement 700-800 kg sans souci. Ouais, bah, vu la fabrication, ça ne m'étonne pas. Pris sur le châssis, là, ça bougera parce pas. Parce qu'en fait, c'est le principe, c'est comme une dépanneuse. En fait, j'ai fait un support comme une dépanneuse. Voilà, et le treuil est à l'intérieur, le gros treuil est à l'intérieur. Et puis ça, c'est juste c'est un compas. Avec monté sur un axe, il y a un compas. Ouais. Et puis ça monte la moto droite et ça la descend droite. Quoi. Thank you.
tombé sur un sacré bricoleur encore là. Oh, c'est pas. C'est, bon, après, c'est. C'est pas compliqué. Non, c'est pas très. Voilà, c'est, exactement. Il faut le faire quand même. Exactement. Faut le faire quand même. Ouais, c'est la logique. Normalement, c'est une 4 places, mais là, j'ai mis que le. En 2 places parce que j'ai changé les sièges, évidemment, parce que j'ai mis des sièges qui étaient sur suspension pneumatique. Suspension pneumatique, parce que c'est pour le confort, parce qu'il faut savoir que ces camions, c'est quand même assez raide. Ah oui, d'accord. Et donc, pour le confort, c'est une obligation, quoi. Donc, pour avoir quelque chose de plus confortable. Vous pouvez rouler K2, du coup. De plus confortable. Oui, on peut rouler K2, mais bon, je ferai une banquette derrière. On va mettre en route le moteur à chachot, donc pour ça il faut démarrer le moteur pour qu'il y ait du courant, pour que ça commence à faire des bulles de l'hydrogène, et je vais vous faire voir tout ça. Vous voyez, on en parlait il n'y a pas longtemps sur les lives, et ben là c'est cool de voir en vrai, et apparemment il y a un bon retour quand même, hein. Ils sont passés de 24 litres à aller 17-18 litres, quoi, même moins. On va voir comment ça fonctionne. Alors, ça c'est un petit boîtier de commande. Voilà, tu vois, c'est le boîtier de commande là. Qui a les ampères, tu vois, ça est à 12 ampères, tu vois. Ouais. Et là l'alternateur me débite 26 volts. D'accord. Tu vois. Voilà. C'est quoi 16%? 16% d'éjection en fait. Après tu montes à combien de pourcents? Ça monte à 27, ça se stabilise à 27%. C'est l'hydrogène ça? Ouais, c'est l'hydrogène oxygène. Ouais. Et t'as un petit calculateur qu'on a vu tout à l'heure qui est rangé dans ta boîte à gants. Et tu vois, là, après tu peux changer les paramètres, tu vois, là, tu constantes l'ampérage, tu peux régler l'ampérage que tu injectes, tu vois. Et ça permet d'envoyer plus ou moins d'hydrogène. Exactement. Ou la concentration d'hydrogène, c'est ça? Non, le litrage. Le litrage d'hydrogène. Tu vois, là, t'es en train de monter, tu vois, là. Et là, on va voir les bulles dans combien de temps? Là, ça devrait arriver. Ça va arriver? Là, ça doit être bon. Ah ouais, ça y est. Donc là, ça fait des grosses bulles en fait. Ouais, ouais. Ça fait pas des plus petites bulles? Non, non, c'est des grosses bulles, ouais. D'accord. Tu vois, voilà, ça y est. Okay. Donc là, t'es en train de fabriquer de l'hydrogène. C'est ça, hydrogène, oxygène. Ouais. Et le moteur même, il a une... Il tourne bien mieux. Et toi qui es mécano, qui connais bien la mécanique, ouais, tu peux le dire. Ouais, voilà, ok. Donc c'est intéressant. Tu vois, même dans les montées en régime, il est très très frais, il monte très vite en régime. Ah ouais, à ce point-là. Et est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as essayé déjà d'enlever ton tuyau, voir si ça sortait de l'hydrogène, voir comment ça sortait? Ah, ça fait quoi alors? Ah, il faut pas mettre du feu. Hein. Ça sort comment? Ça fait pish. C'est un petit filet souffle, en fait. Ouais, ça souffle, ouais. Et au plus tu accélères, au plus c'est rapide. Non, parce que non, c'est stable. C'est stable, ah, d'accord. Oui, c'est constant. Et oui, c'est constant. Le débit d'hydrogène oxygène est constant. D'accord. Voilà. Et non, mais il faut pas mettre une flamme, c'est sûr. Sinon, ça prend feu direct. Ah, ça explose. Ok. Ça explose, ouais, c'est clair. Merci pour ce petit retour d'expérience. Je sors de ma maison qui fait 160 mètres carrés et j'en ai un petit peu ras-le-bol aussi de faire tout ce qui est ménage et faire à manger et tout ça. J'avais envie de passer à autre chose. Et voilà, ce lieu me va très bien. C'est pas grand, mais vraiment, c'est très fonctionnel. On a tout ce qu'il faut. La cuisine avec le frigo, le petit chauffe-eau pour l'eau chaude qui marche très bien. Moi, ce que j'avais demandé, c'est juste une petite cafetière en garde gelée. Hein. Ouais, ok, bon, ma petite Senseo. On retourne à l'essentiel, en fait. On retourne à l'essentiel. Okay. La petite douche, bon, c'est un peu comme. Grande. C'est vraiment comme à la maison, hein, parce qu'il y a le pommeau, il y a de quoi régler ton eau chaude et tout. Les WC Sani Broyeur, par contre, les WC, on les mélange avec l'eau. L'eau des douches, du coup, on relâche ça, c'est même ça, c'est bio, quoi, il n'y a pas de produits dedans. Bon, on les met dans l'eau usée, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui n'est pas polluant, ouais, non plus. On a fait attention que ce soit quand même un minimum polluant, quoi. Un minimum, vraiment faire attention à la nature. On veut respecter
Là, vous avez un micro-ondes. On a un micro-ondes, oui, qui fonctionne aussi. Hop, comme à la maison. Bon, ça, je suis pas très micro-ondes, même s'il y a quelques bricoles à chauffer, on fait ça. Là, c'est tout ce qui est rangement. Hein. Maximum, on a récupéré un maximum les recoins. On a mis des placards qui n'en finissent plus, qui sont grands, et tout le matériel de cuisine dedans. Oups. La machine à laver, bon, mais c'est pas quelque chose que j'ai demandé, mais j'ai dit si on s'en va, tu vas devoir frotter tes chaussettes. Alors, du coup, il y a trois jours après, j'ai reçu ma machine à laver. Ma foi, moi, ça me déplaît pas, ça marche très bien. Hein. Je crois que c'est 3 kilos, ça suffit largement pour deux bricoles, là. Et voilà, il y a tout ce qui est rangement, là, les habits, le lit qui reste fixe. On n'avait pas envie chaque fois de le faire, de le défaire, de le ranger. Et on a mis même la télé. Un petit studio très confortable. Voilà, très bien. Ouais, ça... Très simple, très confortable. Bon, on a fait en sorte qu'il y ait la vue. On essaie de se tourner vers des vues merveilleuses, là. Quand on se réveille, quand on se couche, j'ai couché des levées de soleil. Tout ce qui nous va bien. Et là, vous avez fait quoi déjà? On n'a pas trop fait grand-chose parce qu'on a fini un peu avant l'été. On est allé jusqu'à. Ah, on est remonté la France jusqu'à Étretat parce qu'on ne connaissait pas Étretat, la Bretagne. Poitevin, qu'est-ce qu'on a fait le Lot, tout ça, c'est ouais, ça vous a permis le Périgord, parce que tout ça, c'est des lieux que je ne connaissais pas en 3 semaines. Bon, c'est court, mais quand même, avant de reprendre mon boulot d'éducatrice, j'avais envie de, en septembre, je reprenais, on n'avait que 3 semaines, mais j'ai dit quand même, il faudrait quand même reconnaître un petit peu la France avant de faire d'autres pays, mais on a envie de faire le Maroc, on a envie de faire plein d'autres choses. Quoi. Donc du coup, vous êtes éducatrice, c'est ça ? Je suis éducatrice et mon mari est éducateur sportif. Donc là, vous partez que pour les vacances ? Et on part que pour les vacances pour l'instant, ou les week-ends, et maintenant, c'est dès qu'on a 2-3 jours ou les vacances, on part de la maison. Et voilà. C'est trop chouette. Bah, merci bien en tout cas pour cette petite visite. Ouais, merci. Et à bientôt. Merci sur la à route. Vous. À vous aussi. Gonna go to Washington's place I never have gone before. There's a sweet woman there that won't hurt me anymore. And every single sunrise and every ounce of rain. Gonna make me smile, think a while, not worry about a name. Cause for every sparrow falling, another one gets its wings. Gonna teach my baby bird how to sing and say. Ooh, angels from above, deliver me from this wicked world. Cause Lord, I fell in love. It's so easy, easy to me to treat you like the only one that I need. So if you go running off looking for someone new, ain't no one else in the whole wide world gonna treat you like I do. So let's pack my suitcase with all your little things. Me and my baby bird gonna sing and say. Ooh, angels from above, deliver me from this wicked world, cause Lord, well, I fell in love. Ah ben... Ah ben pourquoi pas, hein. Le mot de la fin pour Christian. Ben moi c'est liberté maintenant. Que tout aille bien, qu'on profite de la vie. Voilà. Merci à vous. Merci. Winter's gone, summertime looks us in the eye. Blackbirds are scattering on through the northern sky. I'll ask you for forgiveness if you take all my sins. Wash me in your loving arms, make me clean.